C'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire-d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Bonjour, Gabriel au micro. Le plus important tremblement de terre jamais enregistré, suivi d'un tsunami, peut avoir d'étranges conséquences. À Lébou, les forces de la nature ont tellement transformé la côte que le port a été élevé de 3 mètres. Même les pêcheurs dont les bateaux n'auraient pas été détruits ne pourraient aller pêcher. Les choses ne sont pas aussi spectaculaires dans tout le sud, mais les dommages sont étendus. Donc il y a une vague de migration interne au Chili. Beaucoup de gens arrivent à Antofagasta avec seulement une valise contenant le peu qu'ils ont pu sauver. Ce n'est pas une nouveauté pour la ville, mais jusqu'à maintenant, elle avait été une ville d'immigration temporaire. Les gens venaient à Antofagasta seulement pour un peu de temps, pas pour s'installer. Je crois que ça explique l'état du lieu, car personne ne s'en soucie. Mais les gens qui arrivent maintenant n'ont rien laissé qu'ils voudraient retrouver plus tard. The biggest earthquake ever recorded, followed by a tsunami, may have strange consequences. In Lébou, the forces of nature have changed the coast in such a way that the port has been raised by 3 meters. Even the fishermen whose boats would not have been destroyed could not go and fish. Things are not that spectacular everywhere in the south, but the damages are widespread. So there is a wave of internal migration in Chile. Many people arrive in Antofagasta with no more than a suitcase containing the little they could save. It is not something new for the town, but until now, it had been a temporary immigration town. People went to Antofagasta only for some time, not to settle, which I believe explains the state of the place, since nobody cares for it. But people who are arriving now have not left anything they would like to see again later. Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Comme vous avez pu le remarquer en écoutant le dernier podcast ou en regardant les vidéos, chaîne Not So Daily French sur YouTube, ma voix est encore voilée. Je l'économise autant que faire se peut et c'est pourquoi je ne peux pas prendre de rendez-vous sur Skype en ce moment. Désolé. On a rarement l'occasion de voyager dans le temps. C'en est une. Vous savez ce que sera ma voix dans 30 ans. Pas terrible. Mais comme dit Pierre, l'important, c'est d'être encore là dans 30 ans pour le vérifier. As you might have noticed by listening to the last podcast or by watching the videos, channel Not So Daily French on YouTube, my voice is still husky. I spare it as much as I can, and that is the reason why I cannot make Skype appointments right now. Sorry. We seldom have the opportunity of traveling through time. Here is one. You know how my voice will sound in 30 years. Not great. But as Pierre says, the important thing is to still be there in 30 years' time to check it.